Un remorqueur 1907 en Hollande, remorqueur de haute mer qui a été récupéré par un Bordelais, qui l'a ramené par les canaux, donc une partie, le Rhin, puis ensuite il est descendu par les canaux jusqu'à Bordeaux. Restauration à Bordeaux en 2002, avec la partie arrière qui a été rajoutée, puisque l'avant est d'origine, la partie arrière a été rajoutée. Et puis ce bateau a tourné donc sur Bordeaux pendant pratiquement 6 ans. Et en 2008, la machine à vapeur qui était en fonction a rendu l'âme et ça a été transformé avec un moteur Baudouin qui fonctionne maintenant sans problème. Un moteur qui tourne lentement, qui fonctionne, qui peut fonctionner longtemps. Donc un bateau qui marche tout seul pratiquement. La partie arrière était beaucoup plus basse. La machine montait pratiquement un mètre au-dessus du pont et tout l'arrière était réservé pour la traction. Vous avez les taquets de remorquage qui sont derrière. Donc la partie arrière était vraiment consacrée au remorquage et la partie avant, la cabine avant pour le pilote et puis l'espace de vie pour les marins. Il y avait 3 marins à bord. Sa vocation, c'est un petit bateau pour faire des balades en mer. C'est un bateau qui était plutôt utilisé comme habitation à l'origine. Et là, on le transforme vraiment en bateau pour faire sa vraie vocation, c'est-à-dire sortir en mer, éventuellement recevoir des amis. Il est un petit peu prévu également pour l'événementiel. Voilà, donc c'est un peu. Mais le but premier, c'est quand même des balades en mer avec des amis.